Donc voilà, on est sorti. D'abord, il y a des très chauds qu'on avait à faire, je crois bien. Ça, on a tout fait au niveau du très chaud qu'on devait faire en 14h15 du matin. On a pu essayer de voir le numéro Combien? 27 qu'on n'a pas vu tout à l'heure, qui était certainement les troncs d'arbres qu'on a vus. Ouais, non, on va essayer de trouver ça. Voilà, donc on va faire un petit trou pour finir en beauté. Nous sommes garés sur la fac de Metz. Alors c'est un parking gratuit. Hein. Oui. Je suis malade, toi. Après, il n'y a pas que toi qui vas se garer là, il y a tonton, il y a plein de personnes que je connais qui vont se garer là. Pas forcément que toi. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est la explication donc des constellations de Metz cette année. Donc sur le thème donc Tu veux, des. tu prends le bouquin, tu liras les trucs qui me manquent dedans. J'ai pas que ça à faire, je vais poster demain. Alors c'est des montages et tout le bordel à faire. Donc j'ai peut-être pas que ça à faire que faire une explication d'un bouquin. Alors que je pourrais le faire moi-même maintenant, sur tout ce qu'on a vécu. Donc on a quand même vécu beaucoup de trucs, on a visité très choses, vous n'avez pas vu pour plus de 15, plus de 16 choses. On vous a montré que les 5, les 3, à partir du troisième chose. Donc on peut voir qu'il était ouvert jusqu'à 1h du matin. Donc c'était basé cette année sur le. Il y a 50 ans, le premier homme qui a marché sur la Lune. Alors il y a quand même des trucs que je vous ai filmés. Alors attention à certaines scènes oh, j'arrive jamais à dire. Épileptiques que sont sur les vidéos. Je m'excuse pour les gens épileptiques. J'ai jamais réussi à le dire ce mot. Et à des moments donné, j'essaie de les éviter le plus que je peux. Donc certaines vidéos font que quelques secondes. Je m'excuse auprès de mes abonnés. J'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. Sachant que je crois que ça n'avait pas le temps de fonctionner. Surtout de poster sur YouTube, mais je m'en fous un peu. Bref. C'est toujours un plaisir de venir aux constellations ici à Metz. C'est vraiment un truc que moi je fais toujours les premiers jours. Car ça ouvre très tard à 22h15 et ça se finit à 1h du matin. C'est pour ça qu'on y va surtout les premiers jours. Ouais, les 3 premiers jours sur 22h15, désolé. On l'avait très tôt, on a bouffé, on a tout fait, bref. On n'a pas visité vers la gare et tout, il était chaud et tout. Moi, je vous conseille de venir à Metz pendant les vacances, si vous tentez. Faire la constellation à Metz. Car c'est un super événement, ça dure jusqu'au 7 septembre. Les horaires et tout sur le site donc de constellation-metz.fr. Donc voilà, je vous remercie. Voilà. C'est quand même des choses, il y avait un dôme, j'ai pas voulu le montrer car c'était trop épilepsie à mon goût. Épileptique. Voilà. C'est pas épilepsie, épileptique. Là, on va essayer de vous montrer un truc parce qu'on a trouvé pas le numéro 27 dans le truc. Alors, si vous voulez, vous pourrez venir visiter ça. C'est ouvert tous les soirs à partir donc depuis le 20 juin dernier. Donc, depuis le 20 juin, là. C'est dur jusqu'au 7 septembre. Nous, ça fait toujours un grand plaisir de venir chaque année. C'est un peu un rituel. C'est la troisième année, mais c'est un rituel quand même. Ça fait 3 ans qu'on y va d'affilée. Déjà, c'est un rituel. Bref. Moi, c'est toujours un plaisir de vous montrer ça. C'est la première année que je vous montre à vous YouTube, mais j'ai la flemme de faire différentes autres années. Et ça, c'est aussi beau. Je le montre en cours de route. Je montre des trucs au cours de route. Hein. C'est ouf. Voilà, donc excusez encore pour les vidéos qui durent quelques secondes, car à des moments donnés, je voulais arrêter parce qu'il y a des trucs épileptiques. Après, c'était en 3D, c'était très marrant. On s'est quand même bien amusé. Voilà. Il y a des trucs qu'on n'a pas trouvé. Ben, il y a des trucs aussi, ils vont jusqu'à un château à une quarantaine de minutes à pied. Maximum 5 minutes à pied, mais en voiture, mais une quarantaine de minutes à pied. Bref. Je remercie beaucoup à tous qui suivront cette aventure. Alors attendez, il est en train de regarder sur le plan. Allez, très bien. Alors il y aura en premier épisode la cathédrale de Metz. À certaines vidéos, je n'ai pas parlé. J'en ai parlé peut-être qu'à 2-3 vidéos. Le reste des vidéos que vous verrez sur la chaîne YouTube là, sur la constellation à Metz, je n'ai pas parlé car il y avait trop de monde. Ou que c'était vraiment beau truc et que je voulais vraiment pas parler sur ces beaux événements, des beaux trucs comme ça. On est en train de chercher le numéro 27 des Street Art, si je ne me trompe pas. Qui vont jusqu'à un certain endroit. Il y avait des traits au sol pour nous aider. Ce que j'ai pris, que j'ai filmé juste avant. C'était vraiment ça le numéro 27, sérieux. Merci.
artiste crée une œuvre graphique et géométrique qui interpelle véritablement trompe-l'œil hypnotique de genre nouveau. C'est pas... Ainsi qu'un intérêt visuel sur le mur de l'école, c'est l'école. Ah. On est passé devant et on n'avait pas percuté. Alors ceci est le numéro 27, par exemple, qu'ils trouveront. On n'avait pas percuté. Vous trouvez ça beau? Je pensais que c'était une œuvre d'art qui était comme ça. Bah moi, je pensais que c'était une œuvre d'art qui avait été faite comme ça par un artiste, mais sans plus, quoi. Donc voilà, je vous fais, on finit donc cette petite soirée à minuit 30 où on se tourne de finir de tourner cette dernière vidéo. J'ai commencé à tourner très tard dans la soirée, mais ça va ouvrir qu'à partir de 22h15 et ça se finit à 1h du matin aujourd'hui, depuis jeudi 20. Voilà. Moi, c'est toujours un grand plaisir d'être ici avec vous. N'oubliez pas que vous pouvez avoir de poser toutes vos questions dans les commentaires. Je répondrai dans une future FAQ si c'est le temps. Si ce n'est pas possible, vu que je pars d'ici pas longtemps, c'est Nakuto. Moi, sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de liker la chaîne, de vous abonner. Ciao, ciao tout le monde.